Coucou tout le monde, c'est Soso. Alors, une petite revue sur ma broderie perlée que j'ai entamée il y a quelques jours, il y a peut-être 3-4 jours, je crois, je ne sais plus. Et voilà, j'en suis à là. Donc, c'est fini. J'ai plus qu'à assembler et mettre la ouate dedans. Alors, franchement, c'est super agréable à faire. J'ai adoré. Bon, on se crève un peu les yeux, mais j'ai adoré. Donc derrière, ça donne ça, voyez. Et c'est plutôt lourd quand même, donc ça va être un porte-clés, donc c'est pas plus mal. Donc du coup, j'ai tellement adoré que j'en avais un deuxième de kit. J'en avais un petit lapin bleu et un petit lapin rose, je vais vous montrer. Et je vais faire le petit lapin rose. Et une fois que le petit lapin rose sera fait, j'assemblerai les deux. Donc le voilà. C'est exactement le même, mais en rose. Voilà, c'est tout pareil, hein. Alors, j'ai cru que j'avais des petites abeilles. Et quand j'ai déballé le kit, oh, la surprise, c'est pas ça du tout. Donc, voilà, c'est pareil. Vous avez le... C'est tout la même chose, hein. Je vais vous montrer la comparaison avec l'autre. Voilà. C'est les deux mêmes. Sauf que, y en a un rose et un bleu. Voilà. Et j'ai tellement aimé que du coup, je vais refaire, je vais le faire en rose. Et puis, comment? Je ouaterai en même temps et je rassemblerai les deux en même temps. Donc, c'est exactement les mêmes perles. Alors, c'est dommage, j'ai pas pensé parce que pour le coup, j'ai jeté les perles. Mais j'aurais pas dû parce que du coup, elle m'aurait servi pour celui-là parce qu'il m'en restait énormément. Il faut savoir que regardez ce qu'ils mettent pour juste le petit contour. Donc voilà, c'est tout pareil. C'est tout pareil, tout pareil. Donc je vais m'amuser. Regardez tout ce qui est en rose. Le rose, il est trop beau. Donc, ma foi, je vais refaire celui-là. Puis je vais vous montrer aussi les petites, comment que ça s'appelle, petites abeilles que je croyais que c'était une broderie perlée. Et en fait, à ma grande surprise, donc sous ça, j'avais trouvé ça sur AliExpress. Hein. À ma grande surprise, et ce n'est pas du tout ça. Je vais vous montrer. Donc pareil, hein, vous avez de la ouate, une petite attache. Voilà. Voilà. J'ai des diamants painting là-dedans. Et c'était ça. Alors, quand j'ai vu ça, sous le coup, je me suis dit, ah, cool, j'ai des petites abeilles à faire et tout. Et non, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Voilà. C'est la même matière. Hein. C'est du plastique. Vous avez des fils. Vous avez deux aiguilles. Vous avez aussi le fil de linon pour pouvoir le coudre. Vous avez une très, très, très grande feuille d'explication qui est plutôt pas mal, pour le coup, parce que c'est des photos. Voyez-vous, vous avez les explications ici aussi. Et c'est du point compté. Voilà, c'est du point compté. Donc, ça ne me dérange pas, mais je suis un peu déçue. Je pensais que c'était du perlé. Donc, je me suis dit, ah, je vais m'éclater encore avec le perlé. Et en fait, eh ben non, pas du tout. C'est du point de croix. Donc là, il y a 19 couleurs. Donc, c'est un petit porte-clés en point de croix. Alors, je dirais plutôt un. Vous savez, par un temps, ça se faisait beaucoup. On mettait des petits trucs sur nos portables. Et je pense que c'était plus ça. Et du coup, voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec ma broderie perlée. Donc, je suis un peu déçue. Mais bon, je le ferai quand même. Hein. C'est du point de croix. Mais c'est exactement le même principe. Hein. C'est du plastique. Donc, et puis, il y a deux aiguilles. Donc, du coup. Eh ben, je ne ferai pas ça tout de suite. Je vais faire d'abord mes petits lapins perlés. Voilà. C'était juste une petite revue vite fait que je voulais vous montrer. Parce que franchement, j'ai vraiment adoré les faire. Et si vous hésitez à en faire, franchement, n'hésitez pas. C'est plutôt sympa à faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, bye bye, les amis.